une saison de plus, une prépa sous une canicule, voilà. Donc on la prépare au mieux possible. Pour l'instant, il n'y a pas de surprise, mais s'il y en a une, on verra, on la prendra peut-être. Non, pas de surprise, là on est vraiment dans une préparation en plus longue, vu qu'on a un tournoi qui se prépare et qu'on part dans quelques jours. Donc une préparation longue qui est plutôt agréable. Alors c'est un peu l'inconnu, c'est un tournoi qui se passe en Tanzanie, avec des académies africaines et un club anglais de second chip, si je ne me trompe pas. Voilà, mais c'est l'inconnu, mais c'est surtout aussi une aventure humaine qui va nous permettre de très bien travailler. Les installations, elles sont au top, donc je pourrais t'en dire un peu plus au retour, mais là, c'est vraiment une inconnue pour tout le monde, même si on a une maquette qui nous paraît plus que de haut niveau. Ouais, donc ça, la satisfaction, ben, c'est toujours pareil. Quand il y a des jeunes qui vont avec les professionnels, nous, on est contents. C'est que le travail est bien fait et qu'il y a d'un qui pousse derrière. Et sur ce tournoi, on récupère trois joueurs qui est Alal, Corneli et Guéguin. Voilà, donc c'est bien aussi parce que c'est des garçons qui connaissent bien le groupe et qui s'entendent bien avec nos jeunes. Donc c'est des renforts en plus. Bah déjà, c'est trois joueurs de caractéristiques très différentes. C'est Ndiaye, c'est un attaquant qui dégage beaucoup de puissance. Redouane Alal, c'est un défenseur athlétique, plutôt grand. Et puis Guéguin, c'est un joueur plutôt technique, qui a une première touche plutôt exceptionnelle et qui est vachement dans la vivacité et la vitesse. Oui, moi j'ai suivi, j'ai vu les matchs. Maintenant, on attend leur retour. Je leur ai demandé de préparer justement un petit PowerPoint par rapport à ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé et surtout ce qu'ils en retiennent. Donc on attend justement ce tournoi en Tanzanie où ils vont nous le présenter. Donc voilà, c'est très bien pour nous, c'est très bien pour eux parce qu'encore une fois, c'est des images qu'ils vont garder à vie. Non, il y a toujours de la recherche, il y a toujours... cette année, ce qui est agréable, c'est comme je disais, c'est qu'on va faire une vraie préparation avec un nombre de joueurs aussi qui est beaucoup plus agréable. On va tourner à 22 joueurs. L'année dernière, c'est vrai que sur des séances, j'étais 12, donc c'était très compliqué de faire du volume. Après, la prépa, dans la recherche, il y a des effets de mode, il y a des choses qu'on essaie d'améliorer, surtout par rapport à chaque année. Mais sinon, non, ça ne diffère pas. Bah, les objectifs, c'est de continuer ce qu'on a fait l'année dernière, parce qu'on a vraiment fait des bonnes choses. Voilà, je pense qu'il nous manque un point. C'est pas énorme, mais ça suffit pas. Et ce qui va être plutôt agréable, c'est qu'on a une poule vraiment solide en National 3, avec bien sûr ces trois descentes de National 2, qui est nous, Colomiers et puis Béziers, par des problèmes financiers. Et voilà, et puis il y a toujours des équipes comme Rodez, qui sont des valeurs sûres. Ici, on a des réserves pro comme Toulouse, qui est très, très, très solide. Donc, ça sera un championnat qui sera solide, costaud et aussi moins de déplacements. Donc, l'un dans l'autre, on ne sera pas trop perdant non plus. Ben, de la découverte, il va nous emmener son expérience. Nous allons lui emmener la nôtre aussi parce que lui, il a fait des clubs plutôt huppés, très huppés. Nous, on est un club, comme je dis, j'aime bien dire ce mot-là, mais un club d'ouvriers. Donc, il va s'adapter à ça aussi. Et puis, nous, on va essayer d'apprendre ce que lui a pu faire avec les grands clubs français.